C'est ce qu'il veut faire. Il appelle l'Espagne. Parce que quelqu'un va nous décrocher. Il y avait une torche ici là. Oh, qu'est-ce que je La sœur Louise, bonsoir et bienvenue dans Espagne dans la sainteté ce soir. Espagne dans la sainteté, personne ne m'entend. Bonsoir mon frère. Ça va? Bonsoir frère, ça va très bien là. Ça fait longtemps, n'est-ce pas, dans la sainteté. Oui. Et comme cela ne suffit pas aujourd'hui, aujourd'hui, jusqu'à là, on ne veut pas qu'on travaille. La sœur Louise, ça va toi? Que la grâce et la paix de notre Seigneur te soient multipliées, d'accord? Voilà, j'espère que vous êtes fixe maintenant. Comment ça va depuis la sœur Linda? La rose est en train de dormir déjà. Vous allez bien, n'est-ce pas? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Ça va. La sœur Louise, ça va aussi? Je suis à ton écoute maintenant. Et toi-même, la Sainte Grâce. La sœur Grâce pète la forme avec le ballon rond. Moi, je me débrouille. Par la grâce du Seigneur. La sœur Grâce dit dans son La cœur qu'elle chaleur te attend. menace. Ouais. Elle a bien la peur. La sœur Grâce dit Qu'est-ce que tu que. disais? La sœur Grâce dit que le Oui. soleil. Que ce qui lui est arrivé va arriver à la sœur Louise aussi. Que tu rejettes ça au nom de Jésus. Tu as dit que tu rejettes ça au nom de Jésus, quoi. C'est ça? Qu'elle est très gentille, n'est-ce pas? Bonsoir au frère Stéphane. Bonsoir et bienvenue dans Espagne dans la sainteté. Bonsoir, merci beaucoup, frère. Eve, faites-moi ça en bloc. Qui, voilà, elle veut, hein? Bon, je crois que c'est pas pour cette position-ci. Dis-moi. Je blague, je blague. Voilà. Non,
Ou pas venir, mais vous me voyez bien. Ok. Oui, je crois que cette lampe-là, j'espère qu'elle ne va pas s'éteindre là. Donc, il faut qu'on travaille avant que l'autonomie de l'ordinateur, tout en priant, si le Seigneur permet que la lumière vienne, on travaillera davantage. Donc, je suis à votre service ce soir. Donc, même s'il y a l'obscurité, on va sauf que travailler quoi. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Si vous le permettez, parlons du sujet, l'intimité avec la parole. À moins que vous ayez des questions. C'est parfait. L'intimité avec la parole, on voit cela. Mon frère, tu as des suggestions? Assez, Louise, on peut avancer. Vous m'entendez bien ou bien ça? Je crois que comme on est dans l'obscurité, je crois que le réseau également bascule de temps en temps. Ok. Donc, permettez, où est-ce que je vais déposer cette lampe aussi? Crois que ici c'est bon ou bien. Non, là je ne peux pas aller. Bon. Ouvrons donc le livre des Jean au chapitre. Jean au chapitre 14, puis le chapitre 15. Jean au chapitre 14. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il ajoute des bénédictions à la lecture de cette parole si elle-même. Espagne dans la sainteté, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, vous pouvez d'ores et déjà noter psaume 119. Le psaume 119, notez. Le psaume 119, vous y êtes. Jean 14 et 15. Oui, vous notez le psaume 119 seulement. Mais je crois qu'on va travailler ce thème en plusieurs séries parce que c'est profond et c'est long. Donc on ne pourra pas essayer. C'est quelque chose qu'il faut aller doucement, d'accord? Notez Proverbe chapitre 3 et chapitre 4. Proverbe chapitre 3 et chapitre 4. Nous parlons de l'intimité avec la parole. L'importance de l'intimité avec la parole et dans la parole. Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient multipliées vraiment. On peut continuer. Voilà, on peut commencer, n'est-ce pas? Notez également Jacques chapitre. Oui, Jacques chapitre 1. Souvenez-vous qu'à tout moment, si vous ne m'entendez pas bien, vous me faites signe. Hein? Jacques chapitre 1. Si le Seigneur veuille bien jeter la lumière à sa parole et nous donner la lumière pour que nous obtenions sa parole ce soir. Ça sera intéressant, n'est-ce pas? Lorsque vous aurez noté tout cela, vous me dites, on commence quelque part. On y va? Amen, frère. Ok. Commençons donc par le livre. Souvenez-vous de garder le stylo. Ah, bonsoir. Vous voyez, il y a quelqu'un là-bas à Lyon, de l'autre côté là-bas. Bonsoir, notre soeur bien-aimée. Ça va? Bonsoir, on parle de nous. Bonsoir. Une fois n'est pas coutume. Eh oui.
Une fois n'est pas coutume, et je sais que ça va droit au cœur de notre frère Stéphane. Il n'ose pas parler. Mais quelqu'un est assis devant la chaise avec sa Bible, tu poses la question qu'elle assiste. Alors, je vais parler de l'intimité dans la parole. Vous me voyez quand même, n'est-ce pas, avec cette obscurité, si je crois que c'est bon là. Vous me voyez, n'est-ce pas? Ok. Oui, la sœur Louise, il faut que la sœur Louise soit immobile pour entendre ceci. La sœur Louise, si elle a la mamie au feu, il faut enlever la mamie. Reste dans un coin. Oui. On y va. Frère Stéphane, je veux que tu prononces cette parole, ce Seigneur, que la lumière revienne sur le frère Junior. Prononce-la. Pas sur le frère Junior, pas sur. Parce que j'ai la lumière en moi, d'accord? Il faut que ça revienne ici, parce qu'il faut qu'on déploie cette chose-ci. Ah, je me sens vraiment. Bon, l'intimité dans la parole. Jean chapitre 14. Vous y êtes, ouvrez, ouvrez, on commence là. Merci Père. Merci Père. Je vous ai demandé de noter Jean chapitre 14 et Jean chapitre 15. Quand je vais finir de lire, je vais déposer la Bible, je vais commencer à parler. Regardez très attentivement. Je vais lire à partir du verset 18 du chapitre 14. Verset chapitre 14 de Jean, verset 18. Et suivant. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Écoutez, verset 21 maintenant, c'est là où ça commence le sujet. Celui qui a mes commandements, celui qui a mes commandements. Et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Soulignez d'abord le verset 21. On va travailler là-dessus. C'est là le sujet. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ceci a posé problème. Et là, le disciple Jude, verset 22, Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où viens-tu que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, écoutez bien encore, verset 23, cette fois-là, vous allez encore piocher le verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Regardez-moi bien dans les yeux. Regardez bien dans ces yeux-ci. Écoutez très attentivement, mes chers frères et mes chères sœurs. D'après ce qu'on vient de lire là, notre intimité, notre communion avec Dieu est proportionnelle à notre intimité avec la parole. Notre relation, notre proportion de relation avec Dieu sera fonction de notre intimité avec la parole. D'où l'importance de voir ces séries. Je crois que si ce n'est pas, mais il faut qu'on aille là doucement vraiment pour le voir. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Si vous m'entendez, faites seulement la main comme ça pour que je me rassure que je ne parle pas à moi-même ici. Ben voilà, merci, que Dieu vous bénisse. Expandez la sainteté, bonjour et bienvenue encore. Alors ici, le Seigneur nous dit, verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Pourquoi? Parce qu'il a une intimité avec sa parole. Il a une communion avec sa parole. Parce que Dieu est dans sa parole, parce que Dieu et sa parole sont un. L'esprit et la parole sont un. L'amour et la parole sont un. La vérité et la parole sont un. Indissociable. Indissociable. Alors, d'après ce verset, la Bible veut nous dire dans ce verset 23 de Jean 14 que votre relation avec le Seigneur est proportionnelle à votre intimité avec sa parole. Maintenant, avant de passer dans l'autre volet, parce que c'est pas fini là. Voici donc le tableau peint maintenant de ce siècle-ci. Dans ce siècle-ci, et comme nous sommes les amateurs de WhatsApp et des réseaux sociaux,
Vous voyez des gens qui ont dressé des listes des baguettes magiques divines. On a dressé toute une liste des gens. On dit, si vous êtes dans la peine, appelez, voici les psaumes qu'il faut lire. Vous avez des problèmes d'accouchement, voici le livre des ânes. Vous avez telle ou telle chose. C'est dressé. Et vous voyez quelqu'un qui appelle les séjours. Frère Junior, oui, je me réveille, prends le téléphone, bien quoi. Où est-ce qu'il y a le psaume quand on est persécuté? Vous entendez des choses qu'on dit ici dehors. Donc, quand il est persécuté, il faut qu'il lui donne le psaume de contre la persécution. C'est-à-dire, la persécution est physique. Il faut à cet instant-là que je lui serve une parole pour qu'il puisse lire cela, pour que la persécution cesse. S'il a le problème de douleur, il faut qu'il regarde le verset qui parle de douleur pour lui donner comment faire pour l'antidouleur. C'est-à-dire que dans la parole, il y a les antidouleurs. Là, il cherche le problème, la parole qui doit résoudre son problème de douleur là, maintenant. Quand il est persécuté, il y a la maladie qui frappe partout. On court rapidement le psaume 91 et on dit, Seigneur, tu as dit que si mille t'as moi à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Mais on ne comprend pas que toutes ces paroles sont conditionnées par notre intimité avec elle. Et nous allons voir et découvrir dans la parole maintenant que même notre os à l'intérieur aspire à la parole. Et notre santé, les systèmes sanguins que nous avons, même notre hémoglobine et notre globule blanc respirent et cherchent la parole. Ça en a besoin. Parce qu'en réalité, notre ADN, si nous sommes de Dieu, est attaché formellement et de façon tacite à cette parole-là. Notre ADN est attaché de façon tacite à la parole que vous voyez là. Nous allons voir cela, nous allons découvrir ça dans les Écritures tout à l'heure. Nous avons besoin d'une intimité profonde avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si nous sommes un peuple de Dieu, notre vie en dépend parce que c'est elle qui nous engendre. C'est la première raison. C'est elle qui nous a engendrés. C'est la première raison. La première raison de notre besoin d'intimité, c'est que c'est la parole qui nous a engendrés. 1 Pierre chapitre 2. Merci Père. Allons-y. Dans le livre d'1 Pierre. Que le Seigneur vous bénisse. Je reviens encore pour faire le diagnostic. 1 Pierre chapitre 2. Prenons le chapitre 1 de 1 Pierre. Notez aussi Hébreux chapitre 1, verset 1 à 5. L'intimité avec la parole. L'intimité avec la parole. Donc, il ne faut pas que quelqu'un trouve des excuses. Il ne faut pas que quelqu'un trouve des excuses pour échapper à la parole. Et justement, Satan trouve des moyens pour éloigner les gens à la parole, justement parce qu'il sait effectivement ce qui s'y trouve. Et on va découvrir cela maintenant à l'intérieur maintenant. 1 Pierre, dans le livre de 1 Pierre. Le frère, tu peux nous lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 25. Chapitre, frère. Chapitre 1 de 1 Pierre. Verset 17 à partir du 21, n'est-ce pas? Oui. Amen. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, oui. Sans acception de personne, conduisez-vous donc avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Oui. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Jusqu'à verset 25. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle que vous avez
qui vous a été annoncé par l'évangile. Amen. Amen. Vous voyez, là voilà la parole. Là voilà. Et donc, et la Bible nous dit ici, lorsqu'il commence à parler de cette parole qui nous a engendrés, il dit au verset 24, car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Et curieusement, ce que le Saint-Esprit veut dire ici, c'est que lorsque nous comprenons que nous avons été régénérés par la parole, qu'on sache que cette parole-là, c'est la parole permanente qui est éternelle. Donc, qu'on ne se concentre pas, il veut par là dire qu'on ne se concentre pas sur la chair, parce que la gloire de la chair que nous avons aujourd'hui, c'est exactement comme l'herbe. Toute sa gloire, en fait, la chair va tomber exactement comme l'herbe tombe. Mais il dit, la parole que vous avez entendue par l'évangile, là, ça doit toujours demeurer. Et c'est elle qui nous a engendrés. D'où la nécessité de comprendre justement l'intimité de la parole. Maintenant, les gens prennent du temps pour leur chair et la nourriture. Imaginez combien de temps on passe pour, dans un, pour se laver, deux, pour se brosser les dents, trois, pour faire le maquillage, quatre, pour chercher les habits, cinq, pour s'habiller et faire, pour avoir la bonne apparence extérieure lorsqu'on va sortir pour aller au travail ou autre. Donc, ces cinq choses principales que nous faisons chaque jour, c'est pour la mise extérieure. Mais la partie intérieure est cachée. La pureté de nos esprits doux et paisible et quoi, qui est d'un grand prix devant Dieu, on ne s'en rend pas compte. Parce que la Bible déclare là-bas que ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Purifiez vos âmes en obéissant à la vérité. Et c'est quoi donc la vérité? La parole. Parce que dans Jean 17, 17, il a dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Parce que si tu obéis à la parole, ton âme est sanctifiée. C'est ce que la Bible nous déclare. Or, c'est cette même parole-là que nous négligeons. Quand, lorsqu'on prend une fois, le sommeil nous prend. Ah, Dieu va comprendre. Il va comprendre. C'est toujours à lui de nous comprendre. Nous ne voulons jamais le comprendre, lui. Lorsqu'on peut sortir très tôt pour arriver au travail, pour ne pas être en retard, mais pour Dieu, il faut que Dieu comprenne. Parce que si on ne fait pas comme ça, on va vivre comment? Pas vrai, mes soeurs? Pas vrai, mes frères? Pourtant, ce que nous allons découvrir dans cet enseignement, c'est que la parole est tout. En fait, et tous les autres ne sont rien face à la parole. La nécessité de l'intimité avec la parole. Donc, dans cette Bible, dans le livre d'Hébreux, chapitre 1, la Bible déclare qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Toutes choses. Gardez bien ceci à l'esprit. La Bible dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Vous voyez cela? La Bible déclare que le monde a été créé par la parole. Gardez bien à l'esprit ceci. Et lors de la tentation, donc, si vous lisez Matthieu chapitre 4, lorsque le diable a transporté Jésus après avec tous ses manigances, il n'a pas pu subjuguer notre Seigneur. Il lui a finalement dit par la suite, quand il a eu faim, il dit que comme tu as faim là, transforme cette pierre-ci, voilà le pied, transforme ça en pain. Il dit transforme. Le Seigneur lui a dit quoi, mes chers frères, je veux que vous me répétez vous-même aussi, ce que le Seigneur lui a répété. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors quand on entend cela, qu'est-ce qu'on a de dire? Vous voyez effectivement qu'il faut, quand Dieu parle, ça suppose que, et comme Jésus a dit dans Jean chapitre 6, il dit que la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. N'est-ce pas? Il dit les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Si le Seigneur dit les paroles que je vous dis sont esprit et vie, il dit la chair ne sert de rien. Et ici dans ce 1 Pierre chapitre 1, l'apôtre Pierre est en train de mettre le contraste entre la gloire que nous recherchons pour la chair et la parole qui a été prêchée par l'évangile qui nous a engendrés. Il met l'accent en disant que c'est cette parole-là qu'on a obéi et qui nous a ramené à la vie par le Seigneur Jésus-Christ. Et ici, il dit que ne vous concentrez pas sur la chair parce que toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur aussi. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. C'est donc pour cela que celui qui croit à la parole a la vie éternelle parce qu'il devient un avec la parole. Vous voyez l'intimité, n'est-ce pas? Donc, la chose qui nous donne, la chose la plus importante de l'univers est manifestement rejetée par les gens qui devraient aimer ces choses la plus importante de l'univers. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Quel est le vrai problème? Il faut qu'on diagnostique toutes ces choses ce soir. Donc, aujourd'hui, nous avons toujours des prétextes pour ne pas avoir l'intimité avec la parole. Toujours! Et Satan nous aide dans ces prétextes-là. Il y a la nécessité de sortir pour faire manger la famille. Il y en a ça. Ça se comprend. Mais souvenez-vous que les acteurs de cette Bible-ci, les acteurs de cette Bible, ceux qui ont été des auteurs qui sont écrits et couchés là dans les livres que nous avons, ont vécu les mêmes situations que nous, mais ils ne se sont pas compromis avec la parole. Prenez le cas de Daniel. Personne ne peut être occupé comme la troisième personnalité du pays. Personne. Mais ça n'a pas entamé et entaché son intimité avec le Seigneur, la communion avec lui.
Vous voyez cela? Daniel, malgré qu'il était à la cour du roi, avec la charge qu'il pouvait avoir, était sincère, droit. Il était droit avec le roi, droit avec les affaires séculières, droit avec le travail du monde et aussi droit avec la parole. Au point où, même les ennemis, quand ils le cherchaient, ont dû se poser des questions. Si on ne trouvera rien dans la faille dans son administration, si ce n'est que dans sa parole. Donc il fallait qu'on trouve la faille pour voir. Et même là, on a observé, il était irréprochable à l'égard de la parole. Vous voyez cela? Des gens ont des sujets de se moquer de Dieu, ou bien d'autres encore ont des sujets de fuir Dieu. Il y a des femmes qui cherchent des enfants, ils ne voient pas. D'autres qui cherchent des maris, ils ne voient pas. Elles se découragent. Mais là, regardez le livre des gens, de Luc au chapitre 1, à partir du verset 5. La Bible déclare que Élisabeth et Zacharie étaient tous avancés en âge et n'avaient point d'enfants. Vous voyez cela? Mais la Bible déclare quoi? Le Saint-Esprit dit d'eux que malgré cet état des choses, ils étaient irréprochables à l'égard de la loi. Ils observaient de façon rigide la loi de Dieu, malgré qu'ils étaient sans enfants. Ils avaient double quoi, onction. Ils étaient onctionnés du fait qu'ils étaient issus de Aaron, par le droit de naissance. Vous voyez, parce qu'il était issu d'Aaron. Bien plus encore, quoi, Zacharie était sacrificateur. Donc, du côté d'Élisabeth, elle était issue du sacrificateur. Zacharie était le sacrificateur. Donc, s'il y avait quelqu'un pour lequel les grâces de Dieu devaient couler sur lui, mais manifestement, Élisabeth était stérile. Donc, c'est pour dire que si on s'approche de Dieu et qu'on est honnête, ça ne veut pas dire nécessairement que tous les jours, les choses qui arrivent aux gens doivent nous arriver de façon bien. C'est parce que Dieu a dit dans la parole. Il a dit dans Ésaïe chapitre 43 que si on traverse par le feu, il sera avec nous. Si on traverse par les eaux, la santé pour nous submerger sera là. Donc, les choses là, on va traverser parmi. Mais les gens, au lieu de se focaliser sur la parole, focalisent sur ce que les circonstances sont en train de dire. Voilà donc là, on fait naufrage. Ça veut dire, par exemple, que vous voyez, une femme, elle va à l'hôpital. On dit, tu dois passer par l'opération. La panique commence. À cet instant, la panique commence. Madame, vous avez une kyste dans le ventre, une kyste ovarienne. Vous avez un cancer des seins. La panique commence. Parce qu'on lui a dit une parole. C'est cette parole qui la trouble maintenant. Mais si elle lit dans la Bible, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ça ne la fait pas trembler. Or, David dit que je ne tremble qu'à ta parole. David, lui dit que je ne tremble qu'à ta parole. C'est ta parole qui me fait trembler. Mais le diagnostic d'un homme fait trembler. Et ici, la Satan dit à Jésus, dans ce Matthieu chapitre 4, que transforme ses pains, c'est quoi, ses pièces en pain. Il dit non. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu dit quelque chose, on doit y demeurer. Et ça ne veut pas dire automatiquement que si tu y crois, tu prends en possession. Non, 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 que j'arrache au nom de Jésus. C'est pas comme ça qu'on arrache. On n'arrache pas en disant que j'arrache. Il faut que ça fasse place dans notre âme. Quand ça fait place dans ton cœur, parce que les gens ont le réflexe là, pentecôtiste, de dire, oh ma soeur, tu es bénie, j'arrache. Vous arrachez comment? Comment vous arrachez? Comment on peut arracher quelque chose qui est abstrait? Puisque la Bible elle-même, elle est écrite là-bas. Si vous y croyez, ça marche pour vous. Tant que cela s'est couché, vous allez dans les chambres, dans les motels, on met le préservatif à côté du lit, on met le petit Bible à côté du lit. Vous choisissez, vous venez, vous choisissez ce que vous voulez. Pas vrai? Ça ne sanctifie pas le lit, ça ne sanctifie pas l'autel. Je ne sais pas si vous comprenez. Et donc là, ça veut dire que la Bible qui est avec vous, la parole de Dieu se trouve contenue à l'intérieur. Lorsque, même si on écrit sur sa sainte Bible, ce n'est pas la Bible qui est sainte, c'est la parole qui est à l'intérieur. Et ça trouve un cœur saint. C'est en unisson avec ce cœur-là, la parole se manifeste. Nous avons besoin de l'intimité avec la parole. Ne négligeons pas la parole. D'accord, mes frères et sœurs? La Bible déclare donc que Dieu a créé le monde par sa parole. Et la Bible déclare dans ces Hébreux chapitre 1 qu'il soutient toutes choses par sa parole. Et la Bible déclare qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. La Bible déclare que sa parole court avec vitesse. La Bible déclare qu'il envoya sa parole et sa parole l'a guéri. Amen. Espagne à la sainteté, bonsoir et bienvenue. On peut continuer? On peut continuer, n'est-ce pas? Rentrons dans Jean au chapitre 14 et voyons encore quelque chose. Donc le Seigneur nous a dit au verset 21 de Jean au chapitre 14, il est celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Donc vous voyez effectivement que votre intimité, votre amour pour le Seigneur est proportionnel même. Vous allez dire, comment vous allez dire que vous aimez le Seigneur Jésus? Ah, j'ai la joie dans mon cœur. Parce qu'on chante comme ça. Il y a même des chants qu'on ne doit pas chanter si ce n'est pas vrai pour nous. Ça ne sert à rien de se tromper. J'ai la joie dans mon cœur. Pourtant, à l'intérieur, là, il y a des peines. Ne faites pas cela. Restez tranquille. Dites, j'ai la peine dans mon cœur. Jésus n'est pas encore la source des joies. Ce n'est pas une mauvaise confession. C'est la vérité. Pas vrai, mes soeurs? Ouvrier. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jésus dit, votre amour pour lui est proportionnel à votre relation avec ses commandements. Ce que vous en faites, ce que vous faites de ses paroles.
Ça sera le rapport de votre amour pour lui. Ah mon frère, tu aimes le Seigneur? Ah oh, mon Dieu, comment je ne l'aime pas? Frère, combien de temps depuis que tu ne lis pas la parole? Non, je suis trop occupé. Dieu lui-même sait que je suis occupé. Je dois nourrir, j'ai les enfants, j'ai les loyers à payer. Ok, donc Dieu ne connaît pas. Maintenant, souvenez-vous, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il n'a pas dit que l'homme ne vivra pas du travail. Il dit que l'homme ne il n'a pas dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais du travail de ses mains. Il dit l'homme ne vivra pas du pain seulement. Souvenez-vous que la personne qui dit l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est celui qui a dit que tu mangeras à la sueur de ton front. Après avoir dit que tu mangeras à la sueur de ton front, il a dit aux Juifs dans Deutéronome chapitre 8 que lorsque vous serez entré dans le pays que l'Éternel vous donne, le pays où coule le lait et le miel, garde-toi et que l'Éternel t'aura béni dans ton champ, ton gré et tes bénédictions seront bénis. Garde-toi de dire en ton cœur, c'est ma force que me l'a donné. Vous voyez cela? Garde-toi de le faire. Non, 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 c'est parce que j'ai trop fréquenté que j'ai eu un bon travail, j'ai eu un bon boulot. C'est un CDI. Non, c'est un CDD. J'ai gagné un CDD. On était nombreux, j'étais compétitif, je suis mon performance. Non, ils ont vu mon credential, c'est quoi ça en français? Credential. Ils ont vu mon skill, mon CV. Mon CV l'a appelé. La Bible déclare, garde-toi de le dire. Parce que tout ça, c'est grâce, c'est une grâce. Il y a des gens qui ont des grands critères, des critères assez grands pour pouvoir travailler mieux que nous. Vous dites, ah non, 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 non. La Bible déclare, dans le livre de, alors dans Ecclésiaste, Ecclésiaste, rapidement, que Dieu vous bénisse. Chapitre 9. Ecclésiaste, chapitre 9. La Sainte Louise, que Dieu te bénisse, d'accord? Ecclésiaste chapitre 9, vous avez déjà trouvé. Je vais lire le verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. La Bible veut nous dire ici, chère madame, la Bible veut nous dire ici, cher monsieur, Dieu est en train de dire ici que voici ce qui se passe sur le soleil. Il faut que vous compreniez que ce n'est pas parce que tu es trop âgé que tu vas gagner la course. Que ce n'est ni parce que tu es trop vaillant que tu vas gagner une guerre. On en a vu des gens. La Bible fourmille des exemples des guerres vaillants, des vaillants guerriers que Dieu a détruits par moins que rien. Vous le savez bien que moi. Il dit ici que ni le pain au sage, que c'est pas parce que tu es sage que tu vas gagner du pain. Ni parce que tu es intelligent que tu vas avoir de la richesse avec ton intelligence. Ni parce que tu es savant que tu vas avoir de la faveur. Il dit ici que ce n'est pas parce que tu es trop brune que tu vas avoir un bon mariage. La preuve en est que les gens de Bois de Boulogne et des rues de Monaco, ainsi de suite, et des rues de la Joie à Douala, ici à Dedo, les filles, les belles filles s'y trouvent là-bas. On les appelle les canons. C'est-à-dire que là, on charge les poudres pour que ça explose. D'autres encore là-bas, on appelle quoi, au Brésil, quand il y a la salsa, vous appelez, comment ils appellent ça là? C'est les festivals, les festivals là. On les appelle les bombes brésiliennes. Les bombes. Très belles. Mais ce sont des bombes, effectivement, pour exploser le cœur de nos amis comme le frère Stéphane. Donc, vous voyez effectivement qu'on a des problèmes sur la terre. La Bible dit ici que ce n'est pas parce que vous riez, c'est la vérité quand même. La Bible dit que ce n'est pas parce que tu es trop belle que tu vas te marier. Il arrive que vous assistez à un mariage comme ça, vous voyez le marié entre. Quand la mariée entre, vous regardez le mari, vous regardez la mariée, vous dites que mais, la femme-ci a vu quoi sur le monsieur-ci? Regarde ses dents. Vous êtes assis dans la salle comme ça, vous allez insulter le marié comme ça là. Regarde ses dents, regarde. Oh, si c'était moi, regarde. C'est sûr que c'est l'argent que la femme-ci a poursuivi derrière le monsieur-ci. Vous regardez encore un autre monsieur, vous regardez une femme, vous dites la femme-ci là, regarde comment elle est grasse. Il cherche même quoi? Après, toi-même, tu entends que l'amour a ses raisons, que le raison ne peut même pas savoir. Vous voyez, on dit que ce n'est pas parce que tu es belle que tu dois te marier. Il conclut en disant, tout dépend pour eux. La seule, pourquoi tu ris comme ça? Ah, je ne parle plus alors. La Bible déclare donc que tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Et c'est Dieu qui contrôle, dans Daniel chapitre 2, verset 20 et 22, la Bible déclare que c'est le Dieu qui change les temps
et de circonstances. Il change de temps et de circonstances. Donc, savez, la Bible veut nous dire ici, dans ce passage de quoi, Ecclésiaste chapitre 9, qu'en réalité, comprenez que sur la terre, ce n'est pas votre intelligence qui vous octroie n'importe quoi. Ce n'est pas votre capacité physique de nous prendre n'importe quoi. Comme Proverbe le dit, ce n'est pas à l'homme, lorsqu'il marche, à diriger ses pas. Vous voyez? Donc, ce n'est pas à nous qui. Quand vous marquez un pas, ce n'est pas la grâce de Dieu. Il y a des gens qui ont les mêmes pieds comme vous. Ils souhaiteraient marquer un pas à un autre. Ils sont dans les hôpitaux. Ils souhaiteraient lever les pieds pour marquer. Demandez à quelqu'un qui a lavé, c'est dont une partie du corps est paralysée. Demandez-lui, il va vous dire, il faut rendre grâce de tes pieds que tu as. Je ne sais pas si vous comprenez. Il regarde, voici un endroit ici, il faut marquer un pas pour un autre. Mais son corps n'est plus synchronisé. Il ne peut pas marquer le pas parce que c'est paralysé. Et quand il te voit, tu marches, il te regarde, il dit, tu ne peux pas savoir quel prix, quelle grâce tu as devant le Seigneur. Demandez à un aveugle qui souhaiterait aimer le Seigneur et marcher d'après la parole. Pendant que tu lis la parole, tu lis la parole avec lui. Le frère Stéphane, qu'est-ce qui se passe maintenant derrière moi? Qu'est-ce que tu remarques? Le frère Stéphane, ça va faire le bruit ici. Qu'est-ce que tu remarques maintenant? Que quoi? Donc la lumière est venue, n'est-ce pas? La lumière est venue, frère. Voilà, tu as dit que la lumière vient chez le frère Junior. Donc ça veut dire que par ta parole, tu as amené la lumière. Amen, amen. Que toute la gloire vienne à Dieu. Amen. Là maintenant, vous me voyez bien, c'est bien clair maintenant, n'est-ce pas? La cellule, je ne t'entends pas. Je vois très bien, mon frère. Tu es très beau. Ah, mais c'est ça. Mais quand vous asseyez dans les trucs de mariage, là, vous voyez les femmes, des trucs qui passent, vous commencez à parler quoi? Nous sommes en train de voir l'intimité avec la parole. Vous êtes à l'aise, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas fatigué. Junior, Oui. le passage d'Ecclésiaste 9, 11, là, Oui. ce que tu expliquais, Oui. on peut, comme tu dis, dans la vie, il peut nous arriver des choses, ce n'est pas forcément par notre propre intelligence, n'est-ce pas? Oui. C'est par la grâce. C'est Dieu qui pourvoit, c'est pas sa grâce. Donc, parfois, tu peux faire des trucs. Tu peux aller contre sa volonté, mais voilà, pour telle ou telle chose, il te dit qu'ok, cette voie-ci, je vais t'ouvrir ça. Peut-être pour qu'ok, je suis un Dieu merveilleux et tout, donc il faut me suivre. Donc, je t'ai ouvert cette porte, ce n'est pas parce que tu es trop fort ou bien que tu as trop réfléchi, Oui. c'est moi qui te donne. Oui. Est-ce qu'on comprend alors ça que chaque fois c'est lui qui le fait, même s'il ne le dit pas audiblement? Pas forcément, on est toujours en train de penser qu'on a réussi des trucs par notre propre intelligence, parce qu'on a trop travaillé, on s'est trop donné quelque chose, et Il faut donc que ça c'est pas change. toujours. Il faut donc que ça change, n'est-ce pas? Jean chapitre 14 encore. Jean, le chapitre 14. Seigneur, tu es grand. Tu es tout-puissant. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Ils viendront tous se prosterner devant toi pour reconnaître ta puissance, pour reconnaître ta majesté, pour reconnaître ta splendeur. Jean chapitre 14, le verset 23, dont le Seigneur dit ceci. Si quelqu'un m'aime, il travaillera beaucoup pour avoir du pain sur la terre. Je lui donnerai alors beaucoup de champs et beaucoup de biens. Amen. Y a pas de amen, frère. Comment ça, il n'y a pas de amen? La sœur Stéphanie, tu as vu ça, non?
Jésus lui répondit, quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Donc c'est plutôt ça que Jésus a dit, n'est-ce pas? C'est ça que Jésus a dit. Oui. Donc je veux que vous me répondiez. Le Seigneur Jésus a dit que à quel signe donc nous-mêmes nous pourrons savoir si nous l'aimons? En gardant ses commandements. Ah oui. Bon. Maintenant, je veux qu'on se pose certaines questions. Vous savez pourquoi les gens, quand ils vont au tribunal, ils prennent des avocats? Quel est le motif? Quel est le mobile pour lequel? Pourquoi? Quel est le mobile pour lequel les gens prennent les avocats? Pour les défendre. Pour les défendre. Pourquoi? Pourtant, c'est un être humain comme lui. Pourquoi celui-là va se tenir là-bas pour le défendre? Ne peut-il pas se défendre lui-même? Si il connaît la loi, l'avocat connaîtra la loi. Donc l'avocat, lui, connaîtra la loi. Alors que lui, il ne connaît pas, n'est-ce pas? La loi qu'il est. Voilà. Donc c'est ça qu'il veut faire comprendre. Maintenant, ça veut dire que comment quelqu'un pourra-t-il. C'est l'heure de se coucher. Oui, c'est l'heure de se coucher, la soeur. Oui, il ne faut pas qu'on perturbe. Buenas noches a tus niños. La sœur Louise. Je pose maintenant ici. Comment quelqu'un peut dire donc qu'il aime le Seigneur s'il ne garde pas ses commandements? Ou mieux encore, comment quelqu'un va garder ses commandements s'il ne connaît pas ses commandements-là? Vous voyez qu'il y a un problème déjà à partir d'ici, n'est-ce pas? D'où la nécessité de l'intimité avec la parole. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas dire que je garde les commandements du Seigneur. Vous allez dire, ok, lesquels commandements alors? Lesquels? Parce que en entrant dans l'intimité avec la parole, lorsque vous prenez la parole, vous y méditez. Pendant que vous méditez la parole transforme votre être, votre intelligence et vous renouvelle sans votre avis. La communion avec la parole de Dieu vous transforme. Il y a des gens qui sont colériques. En allant dans la parole, ils sortent transformés. Sans savoir pourquoi. Vous allez voir des choses, des gens qui avaient des tensions et autres là-bas, ils restent là. Mais tout simplement parce qu'ils sont confrontés à la parole. Parce que la Bible déclare, ayant purifié votre âme en obéissant à la vérité. Lorsqu'on médite la parole, ces choses-là se traversent notre âme automatiquement, comme Jésus a dit. Dans Jacques chapitre 1 que vous avez noté aujourd'hui, verset 21, vous remarquez, la Bible déclare, si vous prenez la partie du verset 18 en descendant, la Bible déclare que vous y êtes. La Bible déclare, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Vous avez vu cela? Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous qui peut sauver vos âmes. Maintenant, ça veut dire que l'âme et la parole doivent avoir une rencontre. Et la parole doit avoir été plantée dedans. Lorsque c'est planté dedans, qu'est-ce qu'on a de faire? Ça extirpe tout ce qu'il y a comme là-bas, comme manure, qui pourra empêcher la parole de fructifier. Au fur et à mesure, le cœur est transformé à la ressemblance du cœur de Dieu. Au fur et à mesure, la communion avec la parole est transformée. Le cœur confronté à la parole transforme ce cœur-là à la lumière du cœur de Dieu, tel que je suis. Je viens à Dieu, je viens dans sa parole, sa sainteté commence à avoir son effet sur ma vie. Je commence à voir mon caractère orienté à la lumière des Saintes Écritures. Voilà pourquoi donc le miroir est donné. Maintenant, dans Jacques, il dit quoi? Il dit, mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vous voyez cela? Mettez la parole en pratique. La version anglaise dit, be doers of the word. Donc, soyez les faiseurs de la parole. Ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire que la façon que nous allions aussi dans la parole pour communier, pour chercher l'intimité, importe. Il y a des gens qui vont dans la parole pour chercher la justification de leurs péchés. Il y a des gens qui vont dans la parole pour chercher, vous savez, il y a des gens qui draguent même le mari des gens. Des femmes qui draguent le mari des gens. Après, elles essaient de chercher à savoir de midi à 14h s'il y a un cas comme ça dans la Bible. La preuve, vous allez voir les pasteurs qui ont 8 femmes, 11 femmes aujourd'hui. Il va te montrer, Salomon avait combien? Tu dis 700, l'autre avait combien? Il dit 800, l'autre avait combien? Il dit 900. Il dit alors, lui n'est pas un serviteur de Dieu.
Et là, la bouche est fermée. Donc chacun peut aller là-bas justifier. Mais celui qui veut être transformé par la parole, ira dans la parole et laisser la parole le miroiter comme la parole présente. Ça veut dire que il faut qu'il vienne, faut que cette personne-ci vienne devant la parole en se laissant transformer par la parole. C'est-à-dire, la seule façon d'aborder la parole et en trouver bénéfice, c'est de ne pas mettre son intelligence sur la parole et être prompt à obéir au commandement. Voilà les deux règles pour pouvoir aller dans cette parole que ça vous transforme. Si quelqu'un ouvre la Sainte Écriture et n'est pas prêt à être moulé par elle, ça ne vaut pas la peine de lire. Fermez la Bible tranquillement, sinon ça va vous blesser. On l'appelle une épée à double tranchant. Ça va vous faire du mal plutôt que vous faire du bien. Jérémie a dit qu'il a pris cette parole, s'il l'a avalé. Quand il l'a avalé, quand ça a fait dans son os, c'était le feu. Dans son corps, c'était le feu. Il tremble seulement à sa parole, à la parole du Seigneur. Donc, si vous prenez la Bible, gardez-vous à l'esprit ceci. Je le dis encore, je le répète. Vous avez une sainte Bible à côté de votre chevet. Vous avez ça n'importe où de votre maison. Quand vous le regardez comme ça, vous pouvez lire votre roman, elle, Fashion Magazine ou n'importe quoi. Ou bien nous deux, même nous trois, même quatre, même. Vous le lisez. Quant à ce qui est de la Bible, c'est la Bible qui peut faire du mal. Si vous voulez aller dans la Bible et vous n'êtes pas prêt à y obéir, laissez ça là où ça se trouve, même que ce soit poussiéreuse, même si c'est mouillé, laissez-la. Parce que ça va vous faire du mal. La Bible l'appelle l'épée à double tranchant. La parole qui sépare jointure et moelle, âme et esprit. Cette parole vivante dont l'apôtre Pierre a parlé tout à l'heure. Donc en fait, avant d'aller dans les Saintes Écritures, deux règles doivent être d'abord au préalable assimilées. Ou mieux, deux principes doivent être assimilés avant d'aller là-dedans pour son intimité. Première règle, ne pas y apporter son raisonnement. Ne pas y apporter son raisonnement. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens il dit, nous n'altérons point la parole de Dieu comme quelques-uns le supposent, mais nous nous rendons nous-mêmes serviteurs et Dieu en est témoin et notre conscience en rend également témoin. Donc, on n'altère point la parole de Dieu. Alors, première chose. Dans ce livre de 1 Timothée, il recommande, et à titre, il recommande que je t'ai laissé là-bas pour que tu dises à cette personne de ne pas enseigner autre parole, de ne pas enseigner autre doctrine. Vous voyez, la parole qu'on a prêchée ici, il a dit que même si c'est un ange qui vient dire autre chose, qu'il soit anathème. Donc la parole est parfaite, définitive. Personne ne doit apporter comme les gens disent aujourd'hui, que non, le monde a évolué. On prêche la parole, il dit que le monde a évolué. On prêche la parole, il dit que le monde a évolué. Le monde évolue, la parole n'évolue pas, c'est là. Donc le monde va changer, la parole va rester identique. C'est ce que Jésus a dit dans la parole. Donc il a dit que le ciel et la terre peuvent passer, la parole ne peut pas changer. Il ne sera pas bougé un seul iota de cette parole-ci. Donc avant qu'on avance dans la parole, qu'on mesure avant dans la parole, dans les Saintes Écritures, mesurons le prix que celui qui a fait ça, c'est celui-là qui est appelé, qu'il est parfait. Et la Bible déclare de lui que si vous invoquez comme père celui qui juge sans acception de personne, il faut qu'on s'approche de lui avec sainteté, avec crainte et tremblement. Parce que lui aussi, c'est un feu dévorant. Alors, deux règles doivent être observées avant qu'on ne continue. Nous parlons de l'intimité avec la parole. C'est une nécessité absolue maintenant. Parce que nous sommes faibles dans la foi, parce que nous ne sommes pas enracinés dans la parole. Et on ne peut pas être enraciné dans la parole en écoutant ou bien en écoutant des extraits de l'évangile. Que non, notre communion avec la parole, notre temps avec la parole importe. Nous avons besoin de confronter la parole avec notre pensée. Confronter notre intelligence dans la Bible. Confronter nos croyances, nos standards. Amener cela au pied de la parole et que la parole nous corrige. C'est pour cela que la Bible déclare dans 2 Timothée 3, 16 que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour enseigner. Donc c'est la parole qui doit nous corriger, pas personne d'autre. Ce n'est pas les kinés qui vont nous corriger, ce n'est pas les psychologues qui doivent nous corriger. C'est la parole. La parole, la Bible déclare que David dit de la parole que c'est mon conseiller. Dieu dit ici dans cette parole-là qu'il a déjà mis les conseils et des réflexions. Il a déjà mis là-dedans. Mais aujourd'hui, vous travaillez d'abord toute la nuit, vous travaillez, la parole vous embrouille. Le travail vous embrouille, la pression. Quand vous êtes pressé, on vous dit que vous avez la dépression. Allez vous dépressuriser. Vous allez sur le psychologue maintenant. Vous payez encore l'argent que vous avez fait pour payer pour la pression. Il vous dépressurise là-bas maintenant en prenant votre propre pression. Et la Bible déclare qu'on se décharge sur lui. Si vous avez la pression, déchargez sur Jésus. On n'a pas dit qu'on ne peut pas décharger sur le psychologue. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous avons besoin de l'intimité avec la parole. Nous avons besoin de l'intimité avec la parole. Je me répète encore avant d'avancer. Ces choses, je me répète parce que dans les suites de cet enseignement-ci,
on va vraiment bousculer nos pensées. On va vraiment bousculer nos pensées. On bousculera les pensées. C'est terrible. Alors deux choses doivent être admises, comprises avant qu'on avance. Première chose, avant d'aborder la Sainte Écriture, il faut qu'on garde à l'esprit que notre intelligence ne doit pas influencer la parole. C'est la parole qui doit influencer notre intelligence. Ça veut dire qu'on ne doit pas apporter notre raisonnement à la parole. Tu penses que Dieu va tuer tout le monde? Il peut tuer tout le monde. Il a déjà tué tout le monde en sauvant seulement 8. Qu'est-ce que vous en dites? Non, moi, quand il me regarde dans le miroir, c'est quand même une belle créature. David a dit qu'il est une jolie créature. Souvenez-vous que la création la plus belle, c'est Satan. Mais il sera quand même brûlé là-bas. Donc, on n'a pas amené notre critère et notre raisonnement pour dire que non, Dieu, non, la façon que je vois que je vis là, je sens que je suis trop beau, Dieu ne peut pas m'accepter qu'il brûle au feu. Attends, quand vous mettez dans le feu, même le feu du naturel, si ça vous brûle, vous allez voir si la peau ne peut pas brûler. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas votre beauté qui peut empêcher Dieu de vous mettre en enfer. Ce n'est pas cela. Donc, si on va dans la parole, donc, il faut que notre raisonnement fasse place aux Saintes Écritures, qu'on permette à la Bible d'être au-dessus de nos pensées, de notre raisonnement et de notre croyance. Ça, c'est un. Deuxième chose, qu'est-ce que j'ai dit pour la part de la deuxième chose? Si vous m'avez bien suivi depuis. C'est le premier, frère. Donc, c'est la première que... Ça, c'est la première que j'ai dit depuis. La deuxième, j'ai dit ceci. Si on n'est pas prêt à obéir, il faut laisser tranquille. Voilà la deuxième chose que j'ai dit. J'ai dit ça aujourd'hui, non? Ça veut dire que être prêt à se soumettre. Être prêt à s'y soumettre. Les deux choses là. Prêt. Première chose, je n'amène pas mon raisonnement. Deuxième chose, je dois être prêt à obéir. Les deux là doivent être respectés. Maintenant, lisez le psaume 119, verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Amen. Donc, la Bible dit que Dieu a prescrit ses ordonnances pour que chacun amène sa pensée dedans. N'est-ce pas, mes soeurs? Non. Non, c'est écrit, d'après ce que vous avez lu dans le psaume 119, verset 4, là, il a prescrit ses ordonnances pour que chacun dise raison de son côté. Il a dit ça. Donc, les prescriptions qui sont données là sont à obéir, n'est-ce pas? Alors, si nous avons besoin d'être corrigés, ça veut dire que la parole est déjà faite pour nous. Si nous n'avons pas besoin de correction, je recommence encore avant d'avancer. Je le dis, je le sens et je me sens obligé de le dire encore et de le redire. Avant d'aller dans la parole, dans les Saintes Écritures, avant d'aller dans la parole, dans les Saintes Écritures, gardons-nous à l'esprit que, première chose, c'est le Dieu qui s'appelle le Dieu parfait, le Dieu terrible, le Dieu redoutable, le Dieu qui ne tiendra point le coupable pour innocent. C'est lui-là là, qui a prescrit ses écritures. Et si on y va, on ne vient pas selon notre pensée. Première chose. Deuxième chose, on y va, il faut accepter d'être soumis à ces paroles-ci. Sinon, si les deux règles ne sont pas respectées, cette parole-ci vous fera du mal. Plutôt que du bien. Si vous voulez aller dans la Bible, vous ouvrez la Bible, donc n'allez pas ouvrir la Bible pour dire que je vais lire les psaumes pour pouvoir bien dormir. Ce n'est pas un calmant ici. La Bible ici, ce n'est pas le somnifère. Ce n'est pas le somnifère. C'est la parole de Dieu. Que je manque l'insomnie, il faut que je lise, il baille, il dort. Ce n'est pas ça dont il est question ici. Il est question de la parole qui régénère ici. La parole qui, quand nous lisons, ça nous transcende. Quand nous lisons, ça nous nettoie. Quand nous lisons et que nous nous soumettions, ça manifeste sa puissance dans notre intelligence. Ça nous renouvelle, ça règle notre conduite, ça règle notre standard et ça amène notre standard au devant du standard de Dieu. Ça nous confronte en nous montrant et nous mettant devant notre réalité, devant notre vraie nature pour comprendre effectivement que nous sommes déchus et que nous avons besoin d'un sauveur. C'est ce que les Saintes Écritures nous présentent. Donc c'est le miroir pour notre âme, pour le désir et le plaisir. Quoi, mauvaises qui sont dans nos âmes, c'est ce que ça révèle. Donc, cette Bible-ci, si les deux conditions sont respectées, c'est-à-dire que si je vais là-bas sans mon raisonnement et je suis prêt à me soumettre, à cet instant-là, la première conséquence, c'est qu'on sera brisé et renouvelé. Voilà la première conséquence. On sera brisé et renouvelé.
C'est-à-dire, comme vous entendez, vous savez comment prendre la pâte, on roule dans la farine. Rouler dans la farine au sens propre du terme. Au sens propre du terme. Souvenez-vous de ce que le Seigneur dit dans les Saintes Écritures. Mes pensées ne sont pas vos pensées. N'est-ce pas? Il a dit, comme la pluie qui descend du ciel et qui ça vient sur la terre et rentre sans avoir donné, arrosé les semences là-bas pour donner aux agriculteurs, ainsi de suite. Il dit, c'est ainsi qu'il y a de sa parole. Ça ne sort pas et retourne à lui sans accomplir ce pourquoi c'est sorti. Donc, si cette parole s'est dite ici pour nous renouveler, on ne rentrera pas non renouvelé devant le Seigneur. Vous comprenez ça, mes frères? Donc, si les deux conditions ne sont pas respectées par quelqu'un, dit conseiller aux gens de laisser la Bible de côté. Ça va lui faire du mal. Cette Bible, ça va faire du mal. Si vous n'êtes pas prêt à obéir, déposez ça de côté. Et là, maintenant, j'entre dans le volet du conseil, le bon conseil qui peut donner à cette personne, parce que vous avez abandonné les Saintes Écritures, parce que ça vous fait du mal, ça vous dérange. Quand vous allez rentrer maintenant, péchez bien. Et ayez les diplômes du péché. Péchez assez bien, très bien, au point où quand vous allez finir de sortir du monde, comme il a dit, tout ce que vous allez faire, faites-le bien pour que le Seigneur vous apprécie. C'est comme ça, quand tu vas arriver en enfer, tu vas dire que je mérite vraiment, vraiment. Amen. Voilà. On peut avancer maintenant. Jean chapitre 15. L'intimité avec la parole. Notez aussi Actes chapitre 19. Actes chapitre 19. Le verset 20. Acte chapitre 19, le verset 20. Et Acte chapitre 20, le verset 31. Vous y êtes? Donc, rentrons dans notre livre des gens que nous avons, là où nous avons commencé. Vous vous souvenez de ce verset 21 ou le verset 23 où Jésus a répondu à Jude, ce n'est pas Judas Iscariot. Il lui a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Maintenant, le verset 24 dit, écoutez très attentivement mes chers amis, écoutez très attentivement mes chers frères, mes chères soeurs. Le Seigneur Jésus-Christ dit ici, de façon solennelle, il dit au verset 24, celui qui n'aime même pas ne garde point mes paroles. Vous y êtes? Jésus, notre Seigneur, dit ici que celui qui ne l'aime pas ne garde point sa parole. Et puis il dit que, et la parole que je vous dis là, que vous avez entendu là, ne vient pas de lui, c'est le Père qui l'a envoyé, qui le dit. Donc par conséquent, rejeter la parole égale rejeter Dieu. Il n'y a pas deux mesures. Vous ne pouvez pas en même temps déposer la Bible de côté. Vous dites que non, je peux contacter Dieu sans passer par les Saintes Écritures. Vous ne pouvez pas vous en sortir comme ça. Vous ne cultiverez aucune intimité ainsi. Si Dieu vous parle, il va vous faire rentrer les Saintes Écritures. S'il vous parle, même audiblement, il vous fera rentrer les Saintes Écritures parce que c'est ça qui est le modèle. C'est ça qui donne la forme de tout ouvrier. C'est ça le thermomètre pour mesurer si vous avez la température de l'amour du Seigneur Jésus. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit si quelqu'un même il prie en langue. C'est pas ce qu'il dit. Il a dit que quelqu'un même il gardera ma parole. Il a dit si quelqu'un ne l'aime pas, il ne garde pas la parole. Dans la preuve que tu n'aimes pas le Seigneur Jésus-Christ, c'est que la négligence de la parole, ça veut dire qu'en réalité, ça veut dire que tu as écrit une lettre de divorce au Seigneur Jésus. On avance. Maintenant, verset 24, verset 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Le Seigneur Jésus dit ici qu'il disait ça parce qu'il va quitter la scène. Donc, il est en train de les mettre en garde par rapport à vivre d'après la parole. Chapitre 15. Chapitre 15. Vous y êtes. Verset 5. Verset 1 à 7. La scène lui peut nous lire cela. Chapitre 15, verset 1 à 7, c'est ça? À 7. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde. Pardon. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée.
demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. D'après ce que nous venons de lire ici, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Le dernier volet, les deux versets du dernier volet nous disent quelque chose d'important. Et je vais vous dire ce que le Seigneur est en train de dire. Le Seigneur est en train de nous dire ici que la communion avec lui dans le processus de l'intimité dans sa parole, il révèle les secrets de son cœur à celui qui demeure dans sa parole. C'est ce qu'il est en train de dire là-bas. Notre communion avec le Seigneur au travers de sa parole, on commence à comprendre la destinée qu'il a pour nous. On commence à comprendre la direction qu'il veut pour nous. On peut avoir accès à lui facilement, lui poser des questions, il nous répond, nous demander des choses, il nous les donne, parce que nous sommes en union avec lui dans la même pensée. Dans Jean 17, 17, il dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Ici, il dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. La question que je vous pose, mes chers sœurs, mes chers frères, c'est que comment donc faire pour que la parole demeure en nous? Gardez bien l'expression, mes paroles demeurent en vous. Il n'a pas dit que mes paroles demeurent avec vous. C'était comme ça, c'est que chacun, on va acheter les Bibles, mettre ça dans le lit, au WC, mettre ça à la cuisine, mettre ça partout dans la maison, sous les oreillers. La façon l'autre là est facile. Mais ici, il veut que la parole là demeure plutôt à l'intérieur. Il dit que si mes paroles demeurent en vous. Maintenant, souvenez-vous de ceci. C'est que le Seigneur est en train de dire. C'est que notre Seigneur est en train de dire ici, c'est qu'il a une conséquence gravissime sur notre état de santé même, quand la parole y entre. Ouvrez Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4, là, directement. On aura le temps de lire dans la suite du développement de cet enseignement-ci. Mais allons quelque part rapidement dans Proverbe chapitre 4. Voir quelque chose. On va y revenir plus tard. Proverbe chapitre 4, vous y êtes? Oui. Verset 13, quelqu'un peut-il lire? Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. Verset 20 et 22. 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Alors, je veux que vous me répondiez. On a dit ici que la parole qu'on laisse pénétrer en soi est quoi? Une vie. Et en plus de ça, ça donne quoi? Ça donne la santé. Donc, gardez-vous à l'esprit. Souvenez-vous de ce que le Seigneur a dit dans Jean chapitre 15 qu'on a lu là. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous sera accordé. Et ici, longtemps avant, si souvenez-vous, c'est la sagesse qui en a de parler comme ça. C'est lui qui en a de parler là-bas. Il dit, mon fils, il dit que permets à ma parole de pénétrer dans ton cœur. Garde-le au fond de ton cœur. Car ce sera la santé pour tout ton corps. Non, n'est-ce pas terrible ça?
Donc, il a dit que non, il faut prendre des sédatifs, il faut prendre des paracétamol. N'est-ce pas? Regardez ce qui est écrit là-bas. Mesurez bien ce qui est écrit là-bas. Première chose, il faut que la parole pénètre notre être à l'intérieur. Vous voyez que ça ne peut pas pénétrer. Vous ne pouvez pas garder la Bible loin et vous laisser que non, non, non. Non, la parole va pénétrer là-bas. Non, non, non. Vous devez avoir une communion, une intimité avec la parole. C'est-à-dire, vous devez discipliner votre vie dans la lecture et dans la communion de la parole de Dieu. C'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que vous ne devez pas trouver d'excuses pour ne pas lire les Saintes Écritures. Il n'y en a pas d'excuses. Il n'y en aura pas. Parce que votre vie en dépend. Tout ce que vous allez travailler, tout ce qu'on fait sur la terre, qu'on travaille à l'extérieur, c'est pour nourrir cette chair-ci. Et on a dit dans cette Bible, dans 1 Pierre chapitre 1 que nous avons lu aujourd'hui, il a dit que toute la chair est comme l'herbe. Parce que ça va faner. Il veut dire, ça va faner. Donc en réalité, ne prenez pas soin de la chair. C'est pas de lui dont il est question. Il est question de l'âme. Il est question de l'âme. Il est question de l'âme. Vous avez sanctifié vos âmes en obéissant à la vérité. Voyez, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. L'âme. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui-là qui peut tuer le corps et faire périr l'âme dans la gêne. C'est celui-là qu'il faut craindre. L'âme, c'est ça qui est important. Donc, au lieu de nous atteler à travailler sur les choses extérieures pour notre vie quotidienne et autres là-bas, faisons maintenant. Prenons maintenant une décision en prenant la parole de Dieu au sérieux pour travailler, comme il a dit dans Jean chapitre 6. Si vous regardez la fin de Jean chapitre 5 et dans Jean chapitre 6, ces gens-là qui ont mangé du pain, ils sont venus à Jésus, ils ont dit, Maître, quand est-ce que Dieu est venu ici? Jésus a dit, en réalité, vous me cherchez non pas parce que vous avez des miracles, mais parce que vous avez mangé du pain et vous avez été rassasiés. Il dit, travaillez non, non pas pour le ventre, mais pour une nourriture qui ne périsse point. Et ils étaient concentrés pour qu'on leur donne le pain chaque fois. Jésus a dit, c'est un appât pour vous attirer, pour que vous vous concentrez pour ce qui est éternel. Donc, souvenez-vous, mes chers soeurs, mes chers frères, ne trouvez pas de prétexte. Vous devez vous regarder droit dans le miroir. Vous devrez vous regarder droit dans le miroir. Votre miroir, cette fois-ci, physique. Pour dire que maintenant, je dois arrêter. Je dois arrêter mes manigances, mes mensonges. Vous pouvez lire la parole. Parce que quand vous allez au travail, vous vous levez, vous allez au travail. Quand il faut faire aller même parcourir 5 000 km pour le travail, vous devez partir. Même si vous êtes malade, vous partez parce que vous savez que vous allez pointer les heures. Vous voyez cela? Vous prenez de force pour y aller. Mais s'il neige là-bas un jour que vous n'avez pas de travail et que le réveil de votre prière, que c'est l'heure de la prière, tu envoies la même, tu cherches dans la couverture, tu envoies, tu cherches là où il y a le réveil, la lame, tu tapes ça pour que ça s'éteigne. Mais quand c'est Dieu, on va faire toutes sortes de choses. Mais si on est réunis pour prier, il y a un téléphone qui sonne, on coupe pour aller répondre. Mais au lieu de service, on écrit là-bas, le règlement ici, c'est qu'on ne répond pas au téléphone pendant les heures de travail. Comme il y a les caméras de surveillance sur chacun pour voir ce qu'ils sont en train de faire, chacun s'attelle à le faire. Ça, c'est pour la terre. Ça, c'est pour les hommes. Mais on est sérieux là-dedans. Vous ne pouvez pas rester à votre poste de travail, vous dormez un peu. Parce que si vous dormez, on va vous donner des avertissements. Vous ne pouvez pas le faire. Parce que là, ça donne l'argent. Mais quand c'est pour le Seigneur, tu ouvres la Bible, première chose. Frère Junior, le psaume 119, c'est trop long. 175 versets. Ah, non, 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 non. Trop, c'est trop. 175 versets. Oh, on prêche, ça dure beaucoup. Mais on sort à 5 heures pour rentrer à 18 heures. Il dit, on sort à 5 heures pour rentrer à 18 heures. Là, pour avoir quelques héros. Qui veut me parler là, ma soeur? Pourquoi ça fait comme ça? Vous m'entendez? Pourquoi ça fait comme ça? Parce que tu parles, lui, t'entends. Je dis, moi, je me reconnais dans ce que tu dis. Hein. Oh, il m'adresse pas à toi, oh. Non, non, mais je te dis, Il n'y a pas de souci, je te dis, moi, c'est vrai que maintenant, avant, quand on parlait le culte et tout, c'est vrai que de plus en plus, j'arrive à tenir. Je garde quand même un peu l'esprit élevé, mais c'est dur. C'est dur. Je m'excuse. Comme tu dis là. Je m'excuse à ma soeur, il ne m'adressait pas à toi. Il ne savait même pas ce que tu veux. Tu as parlé de la vérité. Moi, c'est aussi une confession, ce qu'on veut, mais je me reconnais un peu là-dedans et vraiment, je travaille à. J'aimerais travailler vraiment à ça, quoi. Que le Seigneur t'aide, d'accord, ma soeur? Amen. Souvenez-vous, je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire qui se trouve dans la Bible. Un de ces jours, la Bible nous donne cette histoire, c'est qu'il y avait un roi qui avait organisé le mariage pour son fils. Il avait donné l'invitation. À l'heure du mariage, il a envoyé les invités, quoi, les serviteurs, pour aller dire que, allez-y, dire aux invités que le repas est préparé. Allez-y, les gens de venir. Vous savez ce que les gens ont fait, ma soeur? Tu sais ce que les gens ont fait?
La Bible dit, chaque personne a commencé à trouver des excuses. Tu te souviens de ça, n'est-ce pas? La parabole des noces. Au Matthieu chapitre 22, c'est là où ça se trouve. Alors, lorsque le roi va entendre ça, il sera fâché, il va dire maintenant, allez ramasser partout les gens là-bas, disons, qui viennent au mariage. Mais je veux que vous remarquiez effectivement que ceux qui ont été, ils avaient invité, l'invitation leur a été donnée. Ils avaient entendu la parole. On leur demande le moment entrer. Ils ont rejeté. Maintenant, c'est que chacun trouvait son raisonnement. On dit, l'un disait que non, j'ai acheté 5 paires de bœufs, il ne faut que pas essayer. L'autre dit, oh non, 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 il y a ma nourriture là-bas, chérie, il ne faut que pas prendre, sinon ça va pourrir. L'autre dit, oh non, non, il faut, le champ là, s'il n'y a pas le géomètre, les gens discutent sur le terrain ici à Ngodi Bakoko, ils vont prendre mon terrain. D'autres disaient que non, 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 ma grand-mère est morte au village, il ne faut que pas enterrement de venir. Chacun a son raisonnement. Si c'est pour les raisonnements et les justificatifs, chaque être humain sur la terre trouvera le raisonnement. Chaque être humain sur la terre trouvera le raisonnement. La service, pourquoi tu ris? C'est le geste que tu as fait, mon frère. Non, il fait le geste, il faut que tu sois enceinte, non? Non, merci. Tu rejettes cela au nom de Jésus. Là, tu n'arraches Au pas. nom de Jésus, je rejette. Je n'arrache pas. Tu sais, quand je parle, je ris. C'est lorsque ça va se mettre en pratique, ou bien que tu le veux ou pas. Quand ça va venir maintenant, quand tu vas commencer à cracher, tu vas dire, frère, c'est la dernière fois, mais ça va venir. Alors maintenant, Bonjour. oui. Je veux que tu m'en arraches cette bénédiction. Ne t'inquiète pas. Il faut que ça la casse un peu dans la maison aussi, n'est-ce pas? Alors, on revient maintenant aux choses sérieuses, n'est-ce pas? La Bible nous dit, chère madame, la Bible nous dit, chers messieurs, dans ce Matthieu chapitre 22, dans ces paraboles de noces-là, et les invités qui avaient été invités, ils ont trouvé des raisonnements. Qu'aucun raisonnement ne tiendra devant le Seigneur. Parce que si c'est pour les justificatifs, chacun aura les justificatifs. Si vous êtes un employé, vous n'êtes pas rigoureux par rapport aux règlements intérieurs de votre entreprise, chacun vous trouvera des justificatifs. Si on ne met pas de punition pour dire que les sanctions, que 7h30, si quelqu'un n'entre pas, il y aura de telles sanctions, et qu'on veut dire seulement pour que chacun se justifie, justifie son absence, le pourquoi telle ou telle chose est arrivée, chacun va donner les justificatifs. Un va dire que non, je me suis levé le matin, le tram était déjà parti. L'autre a dit que j'ai raté ma combinaison. L'autre va dire qu'il y avait la neige chez nous, ou même la météo, vous pouvez suivre la météo. Personne ne pouvait bouger. Ma voiture est tombée en panne. L'autre dira que ma mère, dès que je suis sorti, on a dit que ma mère est tombée gravement malade, je suis parti. Le chef ne pourra punir personne. Mais comme c'est comme ça, on met tout le monde à l'égalité. Que tu le veuilles ou pas, soit tu travailles, soit tu ne travailles pas. Soit tu es là, soit tu n'es pas là. Si ta mère est morte, si tu choisis entre ta mère et le travail. N'est-ce pas ce que nous faisons selon le monde séculier? Alors, chaque personne commence à dire au maître de la maison, au serviteur, non, 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 j'ai acheté mon bœuf, il faut que je fasse tes choses, j'ai fait tes choses. Le Seigneur dit dans cette parabole-là que tous ceux qui avaient été invités à table, personne ne mangera ce repas. Faisons attention envers la parole. Donc, nous trouvons des justificatifs donc, pour essayer de marcher de la parole. Non, quand je marche, quand je lis un peu, je mets la Bible devant moi, je ne vois pas bien, mais pourtant, tu connais distinguer les héros, même dans la poche. Tu touches les héros comme ça, tu sais si c'est le billet de 5 héros, de Dieu est 10 héros, même 20 euros. Personne ne peut te tromper même dans l'obscurité. Tu vois le 20 euros même dans l'obscurité. N'est-ce pas, mes chers soeurs? Mais quand on lit la parole, on dit que non, quand il lit la parole, il ne voit pas bien. Mais quand tu comptes l'argent, tu ne mets pas les lunettes. Ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. Ça ne peut jamais tenir. Ça ne peut pas tenir. Demandez à un aveugle combien il aimera lire la parole de Dieu. Vous allez comprendre l'importance et la grâce que vous avez d'avoir les yeux pour lire. Demandez à quelqu'un qui n'a pas fréquenté de pouvoir lire la Bible. Voici les Saintes Écritures, comme il dit dans ce livre des prophètes d'Isaïe, que c'est exactement scellé comme un livre qu'on donne à quelqu'un qui ne sait pas lire en disant que il ne puisse pas lire. Alors, vous voyez donc que si nous commençons à trouver des raisonnements, on ne peut pas s'en sortir devant le Seigneur. Parce que chaque personne aura ce raisonnement, aura raison. Mais la Bible déclare dans Romains chapitre 4 là que toute bouche sera fermée au-devant de lui, afin qu'il soit juste dans ses jugements. Alors, il a mis tout le monde dans la parole. Dans ce psaume 119, nous avons lu le verset 4, donc, il dit que tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. On doit les observer avec soin. Il n'a pas dit les pasteurs doivent les observer avec soin. C'est tout le monde. Tout le monde est en égalité. Et il a fait tout et tout pour donner 24 heures à chacun. Il ne faut pas que la sœur Stéphanie dise que non, par jour là, je n'ai pas de temps. Si vous n'avez pas le temps, prenez le temps. Parce que le temps est à vous. Si vous n'avez pas le temps,
prenez le temps. Mais la réalité, c'est que nous avons vendu notre temps au diable pour nous nourrir. Voilà la réalité. En réalité, nous avons vendu notre temps au diable pour nous nourrir. Vous voulez qu'on parle de quelque chose et on essaie de confronter maintenant, puisqu'il a dit qu'on demeure dans la parole. Matthieu chapitre 6. L'intimité avec la parole, première partie. Matthieu chapitre 6. Quand notre vie dépend de la parole va commencer à diriger notre vie, depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur, à sa direction. Nous venons de lire ici dans Proverbe chapitre 4 que si on garde cette parole-là, on l'aime, elle sera la santé de notre os et la guérison pour tout notre corps. Ça veut dire que même le cancer à l'intérieur va confronter la parole à l'intérieur. Parce que souvenez-vous, j'ai dit ici que vous avez besoin de cette parole, c'est parce que votre ADN y est attaché, parce que vous êtes né, engendré par la parole. Quand vous êtes engendré par la parole, quelqu'un d'autre est à l'intérieur de vous nouvellement. Pas celui-là donc qui était sorti du sein de la mer. Quelque chose s'est passé en vous, mais c'est au travers de la parole. Ça veut dire que votre sang a la couleur de la parole. Absolument. Le sang de cet être intérieur qui a été engendré a la couleur de la parole. Et on dit que si ça fait comme ça, ça sera la santé. Si il parvient à parler, elle parvient à pénétrer votre âme, ça sera la santé pour vos os. Matthieu chapitre 6. La sœur Louise peut nous lire à partir du verset 24 jusqu'au verset dernier, jusqu'au 24 à 34, donc les 10 versets. Allô, frère, c'est Matthieu. Matthieu, chapitre 6, verset 24 à 34. Ouf. Tu n'as pas trouvé, ma soeur? Ou bien Matthieu est déchiré dans ta Bible. Non, c'est pas déchiré, c'est que je trouve, j'ai trouvé. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir de Dieu et maman. Pardon. C'est pourquoi je vous... Non, attends d'abord. Donc, attends. Il commence par donner les principes. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou il servira l'un et haïra l'autre, n'est-ce pas? Il dit qu'on ne peut pas servir Dieu et maman. Au moins, par la Bible, vous savez comment on peut faire pour servir Dieu, n'est-ce pas? J'aimerais maintenant ce soir, dans l'intimité de la parole, qu'on essaie de dénicher comment on fait pour servir maman. Parce que si on voit cela, comment on sert? Parce qu'il a dit qu'on ne peut pas servir Dieu et maman. Ok, on sait au moins comment servir Dieu. Dites-moi aussi maintenant comment on fait pour servir maman. Parce qu'il faut qu'on fasse, sinon peut-être on peut entrer le service en rendant compte, n'est-ce pas? Déjà, maman, c'est qui? Maman, c'est la richesse, c'est l'argent. C'est l'argent. Maintenant, je vais commencer une phrase. Vous allez me finir cela. Time is... Money. Money. Ok. La sœur Stéphanie rit déjà. Time is... Money. Donc, plus long cap, voilà. Plus vous vendez votre temps, plus vous avez quoi? L'argent. Donc, mon temps au service de qui alors finalement? Maman. De maman. Pointe donc quelqu'un, dit que plus tu as de temps pour le monde, plus tu sais maman. Plus tu attends tout le monde, tu sais maman. On y pointe quelqu'un. Le frère Stéphane pointe sa femme, pas sa femme, le regarde, on s'est dit qu'on a dit que pointe quelqu'un. Il veut dire que c'est tu es le seul, tu es la seule quelqu'un ici à côté de moi, il ne peut pas faire autrement. Alors, chers soeurs, chers frères, la Bible nous dit ici que notre temps est contrôlé par maman lorsque nous lui soumettons notre temps. Donc, si quelqu'un dit que j'ai pas le temps, il a donné ce temps-là
au service du Satan. C'est pour ça que le Seigneur a donné 24 heures à chacun. 24 heures à chacun. Vous voyez, on parle du capitalisme. Nous sommes dans une société capitaliste. C'est-à-dire que le rendement du capital est tellement intéressant que même la vie humaine est négligée. On vous épuise, épuise, épuise. Parce qu'il va vous dire qu'il ne vous paye pas pour venir dormir ici. Donc vous avez besoin de produits de l'argent. Mais celui-là, c'est quoi? C'est un cupide. C'est-à-dire que son père, c'est le diable. Donc tu te mets au service du diable. Enfant de Dieu, réveillons-nous. L'intimité de la parole, une nécessité absolue. Une nécessité absolue. La Bible déclare que c'est en vain donc que les gens sortent pour aller chercher du pain comme ça, là, pour aller chercher du pain. Oh, très tôt, il faut qu'ils sortent. Il dit que Dieu en fait de même pour ses serviteurs, pour ses élus, à leur couche. Continuons la sœur. Donc, enfin, en résumé, on sait comment on sert le Seigneur Jésus. En s'abandonnant totalement entre lui, entre ses mains. On sait désormais comment servir Satan. C'est en quittant totalement le Seigneur Jésus pour vendre son temps au diable. Continuons. En tout cas, que le voulez ou pas, c'est ce que ça dit. Continuons. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Stoppons là-bas. Ce que vous mangerez, ni pour votre corps. Donc vous voyez effectivement que le Seigneur en train de parler de ces sujets-là ici. N'est-ce pas? Donc, quand on sort très tôt là, on a les impôts à nos trousses. On a les dettes à la banque à nos trousses. On a des loyers à nos trousses, n'est-ce pas? Quand vous restez comme ça, vous entendez une contravention vient ou bien une autre qui vient comme ça des finances ou bien de quoi que ça. Qu'est-ce qui arrive à la maison? Si l'enfant essaie de faire tomber un plat, il va dire pourquoi si c'est lui qui paie les impôts là-bas. Pas vrai? Ouais. Vous grondez sur l'enfant. Même si vous voyez la couverture quelque part ou bien la maison est un peu désordonnée, vous criez sur les enfants. Arrêtez, vous ne savez pas que vous êtes contrôlé par cet état des choses qui a été fait parce que le papier a été envoyé que vous devez payer. Et ta tête chauffe comme ça, que 135 euros de contravention, ta tête chauffe. Tu dis ma tête chauffe, c'est pas ta tête qui chauffe. C'est ton temps qui est, à l'air, qui est dans la chaleur, ton temps. La tête ne chauffe pas. Alors, on a des problèmes, ça commence à amener le crise cardiaque. Et là, vous voyez effectivement que la tension commence à monter. Comment ça va aller? Ça fait que les gens fuient même les impôts, ils fuient de lieu en lieu. Essayent de fuir pour se cacher, mais trop tard, ça les attrape parce qu'on a vendu notre âme au diable. On a vendu notre temps au service du diable. Et le diable contrôle et manipule notre temps. Ici dit, Jésus dit, la solution à cela, c'est de ne pas vous inquiéter du lendemain. Ne dites pas ce que vous allez manger ou quoi que ce soit. Voilà la solution. Alors, ça veut dire, mes chers frères, mes chères sœurs, qu'en réalité, si on est dans l'intimité de la parole, ça nous inspire et ça nous donne la confiance au Seigneur Jésus-Christ qui va contrôler notre lendemain. Et vous ne pourrez jamais avoir foi en Jésus-Christ, comptant sur lui pour le lendemain, sans intimité dans sa parole. Parce que dans l'intimité de la parole, vous le connaîtrez comme il veut que vous connaîtriez. Ce n'est pas possible que vous ayez cette foi que Jésus-Christ est en train de vous la manifester ici dans ce livre qu'on vous a lu maintenant là, en comptant sur lui sans intimité dans la parole. Votre cœur doit fusionner avec sa parole pour que les circonstances tout autour de vous ne vous fassent pas avoir des soucis. Si le cœur n'est pas totalement soumis, congru à lui, à sa parole, c'est-à-dire que fusionner comme ça pour que ça devienne une seule chair, vous allez monter, vous allez descendre, même en dormant, vous allez avoir les réflexions. Et là, bonjour les crises cardiaques, bonjour les AVC. Parce qu'on aura à notre trousse la réalité de notre temps que nous avons vendu. Comme vous avez dit, time is money. Time is money, ou mieux, time is mammon. Donc en réalité, nous devons faire attention. Jésus dit ici que ne vous inquiétez pas du lendemain, n'est-ce pas ma soeur? Ne vous inquiétez pas du lendemain. Il veut dire que ce sont les inquiétudes du lendemain qui nous font mettre au service des mammons, en réalité. Et vous ne pouvez pas vous soustraire du service du mammon sans vous mettre de l'autre côté. Parce qu'on dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit vous êtes consacré au Seigneur, soit vous êtes consacré à mammon. Mais maintenant, souvenez-vous de ceci. Je vous ai dit à l'entame ici, pendant que j'ai parlé du prophète Daniel, il était au service de ce monde-ci, dans le royaume de Nebuchadnezzar, dans le royaume de Darius, dans le royaume de Sirius, mais il ne s'est pas compromis en un seul instant de la parole. Combien de fois sommes-nous compromis? Combien de fois, il y a des gens même qui m'entendent, qui m'écoutent maintenant, qui retrouvent cette voix. Si on place le sujet de corruption, ou n'importe quel sujet, il y a même les chrétiens qui s'y viennent très tôt dans leur entreprise. Le frère Stéphane, daigne fermer ton micro avant de faire une petite intimité d'amour avec madame. Donc, il y a des chrétiens aujourd'hui qui s'y viennent même à leur poste de travail. Ils trouvent une mallette avec 50 000 euros. Ils prennent ça avant de dire que Jésus-Christ m'a béni, que ça sort du ciel. Disparaître de la circulation. Ils ne pourront pas aller dire et déclarer que j'ai trouvé cet argent-là quelque part. Parce qu'on où? On cherche l'argent. On cherche l'argent. Frère, faisons attention.
Faisons attention. Où se trouve notre confiance? Sur quoi repose notre foi? Est-ce qu'en réalité, notre foi, c'est que nous disons que non, j'ai la foi en Jésus-Christ? Parce que souvenez-vous de la parole qu'il a dite. Sa parole a dit dans Jean 14, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Donc la preuve que tu l'aimes, c'est que tu gardes sa parole. Mais maintenant, combien de temps passe-t-il dans la parole? Quand vous aimez quelqu'un, vous aimez sa présence, pas vrai? Quand vous aimez quelqu'un, vous aimez sa présence. Vous aimez sa présence. Même ça, le son de sa voix. Quand le frère Stéphane cherchait la Stéphanie, bon, je ne vais pas parler de ces choses. Vous connaissez. Quand tu entends seulement comme ça, là, ton corps fait waouh, waouh. Même si on fait n'importe quoi, même si le frère Junior qui n'était pas là, le frère Junior, j'arrive, j'ai une urgence. Donc l'amour pour toi est urgent. La rencontre avec elle est urgente. Vous voyez? Parce que c'est l'expression de l'amour. Mais aujourd'hui, on dit qu'on est, oh Seigneur, je t'aime. Mais on est assis devant la télévision, en train de voir Nollywood. 2 heures, ça finit, on va à Novelas. 3 heures, on finit, on connaît que Catherine se trouve dans l'autre chaîne. On connaît le nom de toutes les séries avec les heures. Maintenant, ma soeur, ouvre Nahum. Quoi, frère Junior, Nahum? Ça se trouve dans la Bible, on ne connaît pas. On ne connaît pas que Nahum se trouve dans la Bible. Mais on connaît les noms de Manuel, de Parker, de Stéphanie, de Drag Baller. On connaît tous ces noms-là. On voit et on voit même les répétitions. C'est-à-dire qu'on rediffuse, on voit. Top modèle. Dynastie. Marima. On brûle les mamies, les trucs se séparent. Beverly Hills. On commence à marcher comme Randall Walsh. C'est fort. Melrose Place. Amanda Woodward. Par conséquent, quand on écoute l'enfant, on dit c'est Amanda. Comment ça, l'enfant s'appelle? Elle s'appelle Brenda. Donc la série l'a évangélisée jusqu'à ce que ça entre même dans la famille. Elle transmet ça de génération en génération à ses enfants. Donc elle a accouché mon enfant quand Brandon était là, elle me plaisait. C'était mon idole. Vous parlez. On a des problèmes, mes chers soeurs. On a des problèmes. Vous voyez? Donc si on aime quelqu'un, on aimera sa présence. On aimera faire ce qui lui plaît. Et on aimera surtout faire ce qui s'arranger à ne pas faire ce qui va le blesser cette personne-là. C'est la preuve de l'amour là-bas. Si on aime quelqu'un, on aimera toujours faire, chérie, qu'est-ce que je dois que j'ai fait? Ça t'a blessé? Oh chérie, pardonne-moi. Pour que le cœur batte toujours au rythme de l'amour. Pop, pop, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est ça l'amour. Ah là, c'est Stéphanie, ne regarde pas ton mari comme ça. Comment tu guettes ses oreilles? Je suis en train de prêcher, pas à toi, je vous adresse. Je m'avoue que je vous m'adresse. Alors, Jésus dit dans Saint Jean chapitre 14, verset 21 et 23, puis 24, que si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Ça a étonné les apôtres au Jude à poser la question. Comment tu dis ces choses? Il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Je dis, ah Seigneur, je t'aime, je t'aime. Vous voyez les gens, même dans les films, avec les 5 déos comme ça, les fesses bombées comme ça, on avait poussé les poupées Barbie qu'on a mis là derrière. Oh, to God be the glory. Thank God, ça. Thank God, avec les ongles de tigresse comme ça. Il dit, thank God. Tu dis, oh, I am born again. Tu es born again. Parce qu'on a entendu. Mais la parole dit autre chose. La parole dit autre chose. Il faut qu'on aille dans la parole donc. Souvenez-vous de ce que j'ai dit ici au milieu de mes propos. J'ai dit que si les deux conditions que j'ai dites sont respectées, vous avancez dans la parole, la première chose que ça va faire, ça va vous bousculer. Ça va vous chambouler. Ça va vous briser. Parce que ça va commencer à mettre le standard de Dieu au-dessus de tes standards. Ça va commencer à contrôler, chambouler ta vie. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un qui a été brisé par la parole. Vous allez voir cette personne-là commence à être doux avec un caractère de l'humilité. Il n'y a plus d'extravagance. Vous allez commencer à voir maintenant que cette personne-là n'est plus orgueilleuse. Parce que la nature de Christ commence à prendre effet sur lui. Vous voyez cela? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel étant égal à Dieu n'a pas pris son égalité comme Dieu, comme avec Dieu comme une proie arrachée, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Amen. Nous avons besoin de l'intimité avec la parole. Vous avez moi? Continuez la lecture, ma chère soeur. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne voyez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Pourquoi vous l'inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croisent les lits des champs. Ils ne travaillent ni filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux.
Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui n'existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtirez-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume, la justice de Dieu, et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Est-ce que l'Église peut donc comprendre et entendre ceci, cette parole? Est-ce qu'on peut dire sincèrement, très sincèrement, que cette parole-ci est vraie pour nous? Là, on a conclu, là où il a conclu là-bas. Ne vous inquiétez donc point du lendemain. Le Seigneur veut dire, si votre intimité avec lui, si vous êtes en communion avec lui, il contrôle votre maintenant et votre futur. Espagne de la sainteté, bonsoir. Bonsoir. La parole ne dit-elle pas dans le psaume 119, verset 105, que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sous mon sentier? Est-ce que la parole a dit là-bas que le travail est une lumière à mes pieds? Il a dit que c'est 5000 héros qui étaient une lumière sur mes sentiers, mes chers soeurs. Pourquoi on abandonne donc les héros, la parole pour les héros? Ou mieux, pourquoi on abandonne donc la parole pour maman? La Bible déclare que les révélations de tes paroles éclairent, n'est-ce pas? Lorsqu'on entre dans l'intimité avec la parole, on commence à voir la lumière. Une lumière est jetée, ou mieux, la lumière de Dieu est jetée sur les zones d'ombre de notre vie et de notre destinée. Ça éclaire le juste, ça éclaire les humbles. Nous allons revenir dans la deuxième partie de cet enseignement. Espagne dans la sainteté. Que la grâce, la paix, l'amour et la communion du Seigneur demeurent avec vous. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Ils viendront tous se prosterner devant toi pour reconnaître ta puissance, pour reconnaître ta majesté, pour reconnaître ta splendeur, mon Dieu. Sois béni, mon Seigneur, parce que tu es grand. Donne-nous de contempler ta grandeur. Tu es El Shaddai, Adonai est ton nom. Elohim, c'est toujours toi, le Dieu admirable, le Dieu qui parle. Tu es le Dieu de compassion. Tu es. Puissant, tu es. Qui donc pourrait par hasard se comparer à toi? Qui donc pourrait par hasard se comparer à toi? Le Dieu sans pareil, tu es le Dieu de tout parfait, tu es guéri des guéris. Si tu es mes desseins, et c'est pas tout. Quand l'ennemi croyait m'avoir vaincu,
Mon Dieu a combattu pour moi et il m'a donné la victoire. Aussi il est le Dieu de victoire. Il est au-dessus de mon entendement. Car il est le Dieu d'amour, tout en lui n'est que se comparer à toi, et mon maman pouvait dire la grandeur de Dieu, la mon maman pouvait dire la grandeur.